Shalom Alechem, Bezrat Hashem, Mitbarach. Cette semaine, c'est la paracha Vayera. Bezrat Hashem, en lisant la paracha, j'ai eu quelques questions. Et j'ai trouvé ça après, Bezrat Hashem, Mitbarach. J'ai pensé à ça et je me suis renforcé sur un point de Rabbeinu Akadosh, sur la Tfila, sur la Emouna. Et après ça, j'ai vu que je cherchais où est-ce que Rabbeinu dit ça. Je savais que Rabbeinu disait ça et j'ai trouvé ça c'est la Torah Zayin de l'écouter Moharan. Et Bezrat Hashem Yitbarach, alors d'abord on va raconter un peu la paracha et on va comprendre les questions Bezrat Hashem Yitbarach. La paracha, c'est marqué qu'Avraham il a envoyé un ange, trois anges, un ange qui est venu pour annoncer une nouvelle à Avraham Avinu et à sa femme, qu'ils allaient avoir un enfant, Yitzhak, l'année prochaine, l'année d'après. Et cet ange-là, il est venu, ils sont venus les trois, Avraham les a reçus chez lui à la maison. Et l'ange, il demande où est-ce qu'elle est ta femme. Et Avraham, il lui dit, ma femme, elle est là dans la tente. Alors Sarah, elle s'est mise à l'écoute. Et l'ange, il dit à Avraham, sache que l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Et Sarah, en écoutant ça, elle a été surprise. Elle était très contente. Elle était très surprise en écoutant cette bonne nouvelle. Elle a rigolé en elle-même. Comment c'est possible qu'elle a été seulement surprise et seulement étonnée par le miracle qu'elle a rigolé? Elle dit, comment c'est possible que je vais enfanter un enfant à l'âge de 90 ans, et Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, pourquoi ta femme elle rigole? Alors en disant qu'elle est vieille. Okay. Et elle, Sarah, alors Avraham il lui dit à Sarah, pourquoi tu as rigolé? Hachem il a dit moi, Hachem il a dit, moi je suis capable à y parler, mais Hachem d'avoir quelque chose que je peux pas accomplir, pourquoi elle rigole? Alors Avraham lui a dit, pourquoi tu rigoles? Elle a dit, moi j'ai pas rigolé, parce qu'elle a eu peur, elle a dit, j'ai pas rigolé. Alors Avraham lui a dit, si tu as rigolé. Alors en vérité c'est quoi? Pourquoi, comment Sarah elle va dire qu'elle a pas rigolé? Elle peut dire quelque chose à Hachem qu'elle a pas rigolé. Hachem il sait tout, si elle a rigolé, elle a rigolé. Hachem il lui dit que t'as rigolé. Donc ça, comment elle peut dire j'ai pas rigolé? Alors on répond que Bémet, elle a dit non, j'ai pas rigolé, je crois. Que c'est vrai, mais je rigolais parce que j'étais surprise, j'étais étonnée du miracle, j'étais contente du miracle. Alors Avraham il a dit, sache que de ça que tu as rigolé en étant étonné, et sache que ça aussi c'est un manque de Emouna. Si tu aurais cru à Hachem Yitbarach, que Hachem peut tout faire, tu n'aurais pas dû être étonné normalement. C'est comme ça qu'on répond à cette question, comment Sarah elle peut dire non j'ai pas rigolé alors que Hachem Yitbarach il vient de lui dire qu'elle a rigolé. Alors les questions sont comme ça. Pourquoi d'abord Avraham, Hachem Yitbarach, il a envoyé à Avraham un ange pour lui annoncer la nouvelle? La plupart des gens ils n'ont pas d'enfant pendant très longtemps, et après ils prient, et Hachem leur donne un enfant après des années. Il leur envoie pas un ange pour leur dire, voilà, je te donne un enfant. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner un cadeau à Avraham. Pourquoi il est obligé de lui envoyer un ange pour lui annoncer la nouvelle? C'était mieux de lui faire une surprise même, de lui envoyer un cadeau comme ça. Ken, c'est la deuxième question, hein? Pourquoi Hachem il a réprimandé Sarah sur le champ? Pourquoi il lui a pas parlé après, plus tard, en lui disant Sarah, c'est pas bien ce que tu as fait, tu as rigolé, tu as été étonné, c'est pas bien du tout. Pourquoi tu as rigolé? Il fallait pas rigoler. Pourquoi Hachem il était au Kiviachol, il a réprimandé sur le champ? Quand ils étaient encore, les anges, ils étaient sur place, tout était sur place. Et Hachem il était obligé même de passer par Avraham pour réprimander Sarah. Et même il était obligé de changer de Kiviachol Mishum Darkea Shalom pour faire la paix entre Sarah et Avraham. Il a même Kiviachol changé la vérité, parce que Sarah elle a dit, comment je vais enfanter alors que mon mari est vieux? Et Hachem, quand il a dit à Avraham, il lui a dit, pourquoi ta femme elle a dit, comment je vais enfanter et moi je suis vieille? Alors Akadosh Baruch Hu, il a changé de la vérité, Kiviachol,
pour faire la paix, pour pas que Abraham il se dispute avec sa femme. Alors il aurait pu sans changer rien du tout, il aurait pu attendre. Parce que pourquoi Sarah, il pouvait pas lui parler directement alors que Sarah c'était une prophète aussi. On dit parce que elle était sur le champ, elle était Nida. Elle était le même jour, elle était Nida. Alors Hachem il pouvait pas kibirchol lui parler parce qu'elle était impure. Donc il est passé par Abraham. Mais il aurait pu attendre 2-3 jours, ça veut dire une semaine, qu'elle se purifie. Et lui dire, la réprimander sur ça. Pourquoi tu as rigolé? Alors Bezrat Hachem Yitbarach, et il y a encore une autre question. Pourquoi l'ange il était obligé aussi d'annoncer la nouvelle aussi à Sarah et à Abraham? Pourquoi il n'a pas annoncé la nouvelle que à Abraham? Et Sarah, elle aurait entendu la nouvelle. Après, par Abraham. Comme ça, c'est des questions que j'ai eues sur. En tout cas, la réponse que j'ai trouvée, elle renforce beaucoup sur la prière. Alors j'ai dit peut-être que Bezrat Hashem Yitbarach, puisqu'on puisse se renforcer dans la tefila et dans la emuna. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, ça vaut le coup de dire ce que j'étais éclairé. Ken, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors Rabbeinu il dit dans le Torah Zayin, la emuna, la tefila, les nissim et les Eretz Israël, c'est la même chose. La emuna, c'est la foi. La prière, Ken, c'est la tefila, la prière. C'est-à-dire que la foi et la prière et la terre d'Israël et les miracles, c'est la même chose. Et pas seulement que c'est la même chose, tous ces quatre choses-là, c'est la même chose, et bien ça dépend l'un de l'autre. Ça veut dire que la foi et la prière et les miracles et Eretz Israël, tous ces quatre choses-là, ça dépend l'un de l'autre. Alors d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Là, maintenant, on fait un livre qui s'appelle Etzot Mevoarot. C'est les conseils expliqués par Rabbi Shimshon Barsky. Rabbi Shimshon Barsky, il a pris l'écouter Etzot et il a expliqué les conseils de Rabbeinu Akadosh. Alors il explique comme ça. Il dit que Eretz Israël, elle a la force de renforcer la personne dans la foi, dans l'ashgacha d'Hashem Yitbarach, dans le surveil de HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il surveille le monde. Kasher nirsafim be'emet liskot la'emuna b'chaliut u'b'chatiut. Quand on veut be'emet recevoir la'emuna, on veut recevoir la'emuna dans HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, en venant en Eretz Israël, en s'attachant à l'Eretz Israël, on va voir qu'après il dit qu'on peut même s'attacher à Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël. Mais aussi, il faut s'attacher à Midbarach, beaucoup vouloir venir en Eretz Israël et même passer un séjour en Eretz Israël pour recevoir la Kedusha d'Eretz Israël. Et alors, on peut mériter par la Kedusha d'Eretz Israël, on peut mériter la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna dans la Shgacha, comme ça le Rabbi Shimshon Barsky dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille le monde. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu surveille le monde? Il y en a qui pensent, Chas Veshalom, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde il y a 6000 ans, et lui, il regarde ça comme une vidéo, comme un film. Il regarde ce qui se passe, qui vient rôle d'en haut. Il regarde ce qui se passe et il n'est pas du tout mélangé à ce qui se passe dans le monde. Alors il faut savoir Behemet que c'est faux. Kakadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe, toutes les lois de la nature, elles sont surveillées par Kakadosh Baruch Hu. Et Kakadosh Baruch Hu, il surveille que tout se passe comme il faut, que quand il faut. Faire descendre la pluie, c'est HaKadosh Baruch Hu qui décide que la pluie elle va descendre, et à Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il décide de tout, comment les lois de nature vont fonctionner dans le monde, Ken, et que comment, si l'arbre va donner tant et tant de fruits, c'est HaKadosh Baruch Hu qui décide combien de fruits il va donner, et aussi comment les fruits vont être, s'ils vont être gros ou petits, voilà, et bons ou pas bons. Tout dépend de HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il surveille le monde, il est mélangé dans tous les actes du monde. Ça s'appelle la emuna de la Hashgacha, de croire dans la foi, dans la Hashgacha, dans le surveil. HaKadosh Baruch Hu, il surveille son monde. Il surveille son monde et mamash, tout est fait, toutes les lois de la nature, elles sont faites par l'ordre de Dieu.
Même que nous, on ne voit pas ça de nos yeux, il faut savoir, marqué dans la Gemara, que même un herbe qui pousse, Hachem, il envoie un ange qui lui frappe et lui dit « grandis ». Comme ça, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un morceau, de rien qui va grandir dans ce monde, ou qui va mourir dans ce monde, si ce n'est pas un ordre de Dieu qui a été envoyé par un ange et qui fait faire cette chose-là spirituellement. Et nous, on ne voit pas tout ce qui est spirituel, on voit ce qui est matériel. Donc nous, on croit ce que nos yeux... Donc il y a des personnes qui se trompent et ils croient que Chas v'Shalom, tout est fait comme ça. Il y a eu les lois de la nature et Akadosh Baruch Hu, il est plus du tout mélangé à ces lois là Chas v'Shalom. Bémet, comme ça, grâce à Eretz Israël, ça c'est une foi qu'on doit acquérir, et on acquérit ça Bezrat Hashem grâce à Eretz Israël. La personne en rentrant en Eretz Israël, elle mérite d'acquérir cette foi là de savoir que tout se fait par Akadosh Baruch Hu. Tout est fait, toutes les lois de la nature, elles sont faites par Akadosh Baruch Hu. Comme on dit que les gens, ils sont étonnés par les choses qui changent. Par exemple, quelqu'un, on voit tout est des miracles. Comment un arbre il pousse, Bichlal ? Un petit grain, on met dans l'eau, dans la terre, ça pousse de ça un arbre immense, ça va donner des fruits et tout et tout. Ken, la personne, elle est pas étonnée de ça parce qu'elle grandit avec ça. Et depuis qu'elle est toute petite, elle n'a pas encore eu le temps de se poser de questions. Déjà, elle sait que ça marche comme ça, donc elle ne pose pas de questions. Mais en vérité, c'est que des miracles de Dieu. Où on voit ça ? On voit ça dans le désert. Que les enfants qui sont nés dans le désert, pendant les 40 ans, qui sont nés dans le désert, eux, ils étaient habitués que tous les matins, ils reçoivent la manne devant la maison. C'était ça, ils savaient comment on mange. C'est facile, on sort, on ouvre la porte, il y a la manne. Et Hachem, il envoie la manne. Et alors, ils ne se posaient pas de questions pour la manne. Pour eux, c'était naturel. Ils n'avaient aucune question sur ça. Ils ne voyaient aucun miracle dans ça. Quand ils ont abandonné le désert, ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils ont vu des arbres, ils ont vu des trucs. Ils ont dit, c'est quoi tout ça, là? Alors, on leur a dit, tu sais, on prend une graine, on la met dans la terre et ça pousse. Ils disent, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Une petite graine comme ça, tu mets, ça pousse tout un arbre comme ça, immense. Moi, je crois pas à ça. Alors, il dit, mais viens, je te montre. Il fait monter une graine. L'année d'après, il voit que ça commence à pousser. Et t'as dit, ah, c'est quoi ce miracle? Alors, regarde ça. Une graine, une petite graine, je le mets dans la terre, ça pousse un arbre comme ça, ça sort des fruits comme ça et tout. C'est un super miracle. Et comme ça, Bémet, nous, on a l'habitude, on voit qu'il y a le soleil le matin et ça descend, l'impression, c'est normal, il n'y a aucun problème là, c'est quoi, il n'y a aucun miracle. Bémet, c'est que des miracles d'Akadosh Baruch Hu, Bichlal. Comment on ne tombe pas de la terre et comment la terre, elle tient dans le vide, Ken? Il y a ça d'Eretz El Belima, elle n'a rien du tout, Akadosh Baruch Hu, il a mis sa terre comme ça, il a créé des forces immenses comme ça. Tout ce qui se passe dans l'espace, tout ce qui se passe dans chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il crée la personne et le monde et tout comme il faut. Bémet, si jamais le monde il était un peu plus à droite, un peu plus à gauche dans l'univers, il n'aurait pas pu survivre. Il n'aurait pas eu assez de comment on appelle ça, de on pourrait pas respirer, il ferait trop froid ou trop chaud. Si c'était trop près du soleil, c'était trop chaud. Si c'était un peu trop loin, c'était trop froid. On n'aurait pas pu supporter on n'aurait pas pu vivre, Bichlal. Et à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il surveille que ça se bouge pas, que ça va pas un peu à droite, ça va pas un peu à gauche. Si ça commence à s'éloigner un tout petit peu du soleil, tous les jours un tout petit peu, à la fin, on ne pourrait plus vivre là. C'est Akadosh Baruch Hu qui garde Mamash, tout comme ça, Bemet. Bashgacha Pratit, tout est fait dans le monde que par Bashgacha Pratit. Et cette émouna-là, on peut la recevoir grâce à Eretz Israël. Alors, autre chose, on a dit qu'il y a quatre choses. Eretz Israël, la foi. Ça dépend l'un de l'autre. Maintenant, on va voir la troisième chose. Comment Eretz Israël et la Tfila, ça dépend l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? La prière, la prière, elle a une perfection. Ça veut dire quelqu'un, il prie. Il demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, donne-moi, fais-moi. Mais ça, elle n'est pas parfaite encore, la prière. Elle dépend de quelque chose. Aïnou. Il dit la rouche ou la amine la date beverur. Chez Assur l'itpel et shum nivra chez Baolam, rak et la chaîne bach levad. D'abord, il faut savoir qu'on ne doit pas prier à aucune personne dans le monde, rien qu'à Kadosh Baruch Hu tout seul. Rak et la chaîne bach levad, rien qu'à la chaîne bach.
Encore une autre chose qu'on peut mériter grâce à Eretz Israël, d'abord de savoir qu'on doit prier rien que Hachem Yitbarach. On prie que Hachem Yitbarach. On a un problème, il y a un problème, tel et tel problème. D'abord, on prie que à Kadosh Baruch Hu. On ne demande rien. Il n'y a même pas besoin de prier à quelqu'un, de tendre les yeux vers quelqu'un. On prie vers Akadosh Baruch Hu et on voit comment on va recevoir notre Yeshua, notre aide. Maintenant, autre chose, la Eretz Israël, elle peut rentrer dans le cœur de la personne, la foi dans les miracles. On a ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose maintenant. Et on a dit Eretz Israël, la foi, la prière et les miracles. Elle dit, Eretz Israël, elle rentre dans le cœur de la personne, la foi dans les miracles. C'est quoi les miracles? C'est quelque chose qui est au dehors de la nature. Là, tout à l'heure, on a dit la foi. Ça, c'est la foi que Kodesh Borou, tout ce qui se passe en nature, c'est fait par, surveillé par Hachem. Ça est fait par Hachem. Maintenant, il y a autre chose, c'est une plus grande émouna. Que Akadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles, il peut changer les lois de la nature. Aïnou Kacher Adam Zakouk Letova. Alors, comment elle se présente, cette émouna? Comment elle se représente? Comment on la ken? Quand quelqu'un il a besoin de quelque chose, il a besoin de quelque chose, une aide d'un problème, que d'après les lois de la nature, il ne peut pas recevoir ce qu'il a besoin. C'est impossible. D'après les lois de la nature, c'est impossible. Ken? Comme Chas v'Shalom, quand ça arrive, il y a des problèmes qui arrivent, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Ima amin ou benissim, si la personne elle croit dans les miracles, banaga altivit, il croit dans comment Akadosh Baruch Hu, il peut changer la nature, anaga altivit, plus haut que la nature. Aïnou ma'aminu ki Hashem Yitbarach yachol le'ozro b'derech nes, il croit que Akadosh Baruch Hu, il peut l'aider par le chemin d'un miracle. Ça veut dire en faisant un miracle avec lui, en lui changeant la nature. C'est-à-dire que d'après la nature, c'est pas possible. Mais moi, j'ai un problème et je sais qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, il peut changer les lois de la nature, il va pouvoir me résoudre mon problème en faisant un miracle. L'ashpia lo atova, va yeshua la haine aux akouks. Il a la foi qu'Akadosh Baruch Hu, il peut me donner ce que j'ai besoin. Même que d'après la loi de la nature, je ne pourrais pas recevoir ce que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que la foi et la prière, elles changent la loi de la nature. Zéo. Donc on voit de là que c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est il faut avoir la foi dans un miracle. Pour pouvoir le recevoir, ce miracle, il faut prier Hashem Yitbarach et avoir la foi dans les miracles et savoir que ma prière, Bezrat Hashem Yitbarach, Hashem, il peut changer la loi de la nature. Et en priant avec foi, en sachant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, c'est lui le maître de la nature. Et en plus de ça, il peut aussi changer la nature. Et je crois dans ma prière qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute les hommes. Il écoute, il a créé quelque chose, il a créé une loi qui s'appelle la nature. Et il a créé aussi une loi que c'est la prière qui change la nature. C'est aussi une loi de la nature. Quand Hachem il a créé les lois de la nature, il a créé aussi une loi qui change la nature. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, nous on prie à Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il peut changer la nature. Il faut croire que nous, on est capable de ça. Plus la personne elle va croire, elle va savoir qu'elle est capable de ça, et plus sa prière elle va être forte, il va pouvoir même changer la nature grâce à sa prière. Donc il y a deux problèmes. Pourquoi la personne ne prie pas comme il faut, avec ferveur, et pourquoi? Ou alors elle croit, Chas v'Shalom, elle a un grand problème dans la Emouna, elle ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut changer la nature. Ça, c'est très rare, les gens comme ça. Ou alors il a un problème chez lui, il ne croit pas que lui, sa prière à lui, elle va pouvoir changer les lois de la nature, parce qu'il n'a pas la foi en lui-même. Il n'a pas la foi qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute aussi lui. Il écoute à lui. Et maître Akadosh Baruch Hu, il écoute tout le monde.
Ça dépend de la personne, de la foi de la personne. Il peut être un grand tzaddik, que Kadosh Baruch Hu ne va pas l'écouter parce qu'il n'a pas la foi dans sa prière. Ça veut dire qu'il ne fait aucune avérote. C'est un tzaddik, il ne fait pas d'avérote, il fait que des mitzvot et tout. Mais comme il n'a pas la foi dans sa prière, alors Kibéchol, il ne pourra rien changer avec sa prière parce qu'il n'a pas la foi. Et un autre, ça peut être un grand rachat, et même quelqu'un qui est bchal, que c'est même un goy, qu'il n'est pas juif, il n'est même pas attaché à la Torah et rien du tout. Que s'il a la foi que Kadosh Baruch Hu, il change la nature et il prie à Hachem Yitbarach comme ça en croyant mamash avec une foi immense en Dieu que Hachem il peut tout faire et il croit à sa prière à lui que Hachem il peut écouter sa prière, il peut lui changer la nature et Hachem il pourra lui changer la nature par rapport à sa foi à lui. Les miracles et la prière dépendent de la foi de la personne. Comme ça Rabbeinu il nous dit, la prière elle change la teva. Quand tu as la foi dans les miracles, ça va changer la teva. Donc tout ça dépend de Eretz Israël, que si on veut recevoir tous ces miracles-là, tout ça, là, Rabbeinu nous dit que ça dépend un de l'autre. Grâce à Eretz Israël, on va pouvoir mériter tout ça. Et aussi, quand on va mériter tout ça, ça, c'est l'essentiel de la Kedusha de Eretz Israël. Ça, c'est l'essentiel. Ça veut dire quand on va recevoir, mamash, cet émouna-là, et alors on va mamash recevoir la Kedusha d'Eretz Israël, et Eretz Israël, c'est ça la Kedusha d'Eretz Israël, c'est de recevoir cet émouna-là. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, ça continue, là il parle encore un peu, il continue à expliquer. Bezrat Hashem Yitbarach, là on a dit déjà ce qu'il fallait pour pouvoir répondre aux questions qu'on a posées sur la paracha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il devait faire un miracle à Abraham et Sarah qui est complètement en dehors des lois de la nature. Ça veut dire Abraham il avait 100 ans, 99, et Sarah elle avait 90. Ils étaient très très vieux. Et il fallait maintenant tout refaire de nouveau à l'intérieur de Sarah pour pouvoir enfanter un enfant. C'est un miracle qui est en dehors des lois de la nature. Et eux, ils avaient besoin d'enfanter, pas qu'un enfant, un peuple entier. C'est nous, tout le peuple d'Israël. C'est un peuple entier qui va sortir maintenant de Sarah, qui est en faisant naître Yitzhak. C'est un miracle immense que Akadosh Baruch Hu devait faire. Et ce miracle-là, il peut être fait seulement si la personne elle se renforce dans la émouna et dans la prière. En se renforçant dans la prière, il va pouvoir, mamash, faire des miracles, la personne. Maintenant, eux, ils priaient toujours pour ça, Abraham et Sarah. Ils priaient pour avoir des enfants, toute leur vie. Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'ils arrivent au niveau, puisque c'est tout un peuple entier qu'ils devaient mettre dans le monde. Il fallait qu'ils arrivent à un niveau de Emouna. Emouna immense dans Akadosh Baruch Hu pour faire descendre ce peuple. Maintenant, pour faire ce miracle-là, de changer les lois de la nature comme ça, il fallait une Emouna immense en Akadosh Baruch Hu. Alors tout de suite, Hachem il a envoyé un ange pour voir s'ils avaient la Emouna. Qui vient les tester dans la Emouna. Il dit voilà, l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Et Sarah, elle a rigolé. Ça veut dire quoi, elle a rigolé? C'est pas qu'elle croyait pas, elle savait que c'était vrai. Mais elle a été étonnée, il lui manquait de la Emouna. Quelqu'un qui a une Emouna à vlog dans Akadosh Baruch Hu, il n'est pas étonné d'un miracle. Il voit un miracle, il est content du miracle. Ah, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, merci beaucoup Hashem Yitbarach que tu as fait ce miracle. Mais il n'est pas du tout étonné que Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle. Et donc, comme elle n'avait pas encore entré, elle n'était pas encore arrivée au maximum de Emouna qu'elle devait avoir pour pouvoir mériter ce miracle-là, Akadosh Baruch Hu, il était Kiviachol. Ça, c'est tout ce que je dis là maintenant, c'est rajouté de moi. C'est pas marqué dans le livre, mais c'est tellement attaché à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, tellement ça renforce dans la Emouna que je le dis, Ken. Mais Bezrat Hashem Yitbarach, peut-être que c'est pas exactement. C'est ça, c'est à moi, c'est un chidush qui est sorti comme ça de Ken. Alors, comme il devait, mamash, de recevoir ce miracle-là, Abraham Avinu et Sarah, il devait avoir ce miracle. Et il fallait pour ça une grande, grande émouna. Hachem Yitbarach, il est obligé de la réprimander tout de suite. Pour qu'elle se renforce dans la émouna et elle sache que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il peut faire un miracle comme ça. Et en se renforçant dans ce miracle, dans la foi dans Akadosh Baruch Hu, alors elle va pouvoir mériter ce miracle. Et c'est pour ça que l'ange il est venu leur dire, pour les tester, pour voir, pour qu'ils se renforcent dans la Emouna, pour qu'ils s'apprêtent à recevoir ce miracle-là. Et autre chose, pourquoi l'ange lui a demandé où est-ce qu'elle est ta femme? Il était obligé de d'annoncer aussi la nouvelle à Sarah pour qu'elle aussi elle se renforce dans la Emouna. En Bezrat Hashem Yitbarach, on voit que Bémet, nous, notre prière, elle dépend de notre foi.
C'est-à-dire que quand on prie pour la Géoula, tous les jours on prie trois fois par jour, et c'est ça qu'il faut se renforcer, Bezrat Hashem, ça que Rabbeinu Akadosh il veut qu'on se renforce là, qu'on prie, il faut qu'on croit dans la Emouna. C'est la deuxième question qu'on pose quand la personne elle monte en haut. La deuxième question, on dit, est-ce que tu as attendu l'aide de Dieu? Est-ce que tu regardais l'aide de Dieu, t'attendais, t'avais hâte à recevoir l'aide de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bezrat Hashem Yitbarach, nous on attend le Mashiach Tzidkenu. Et Akadosh Baruch Hu nous teste dans la Emouna, qu'on va voir jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu, là ils ont Avraham et Sarah, ils étaient obligés d'attendre jusqu'à 90 ans. Ou à un moment ils devaient se renforcer dans la Emouna sans fin, parce qu'à 90 ans il n'y a presque aucune chance d'avoir d'enfanter. Et c'est un moment très dur pour la personne de croire, permettre que Akadosh Baruch Hu peut faire un miracle, et elle se renforce avec une foi aveugle. Et la même chose, on voit que toutes les geoulot du peuple d'Israël, c'était comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a amené la dernière geoula qu'on a eue, c'est Baruch Hashem, qu'Hashem nous a donné la terre d'Israël. On était dans la Shoah. Dans la Shoah, on venait de perdre 7 millions de juifs. On est arrivé à 7 millions, là ils ont fait le calcul, ils sont arrivés à 7 millions. Pour la plus grande partie du peuple juif, il est parti. C'est un endroit le plus noir qui puisse exister. Et plus personne, presque, n'avait... Quand tu posais une question à n'importe quelle personne dans la Shoah, si, vers la fin de la Shoah, s'il croit que c'est possible qu'on va venir, tout va tomber, toute l'Allemagne va tomber, tout ça va tomber, on va revenir en Eretz Israël, et on va devenir un peuple en Eretz Israël comme ça dans quelques années, dans 3-4 ans, tout le monde t'aurait dit, mais t'es fou quoi? Comment c'est possible un truc pareil? Impossible! Tu vois pas, on est en train de mourir tous les jours, ils nous prennent des charrettes entières, ils nous tuent et tout, comment tu crois qu'on va... Et Akadosh Baruch Hu, quand il veut nous donner un grand cadeau, il nous met en épreuve dans la foi. C'est pour ça que la personne, quand elle voit qu'elle a une épreuve, elle voit que tout est noir, c'est le moment où elle va pouvoir recevoir sa Yeshua, son aide. Quand elle voit que tout est noir, elle peut plus, elle n'a plus aucun kivoun, elle n'a plus rien pour réussir. Et alors elle peut que se fier à Kadosh Baruch Hu, elle peut que tourner les yeux vers Hashem Yitbarach, et si elle le fait, Behemet, et elle prie vraiment, elle va pouvoir le mériter. Et c'est pour ça que nous, on est toujours, et toutes les guerres dans tout le peuple d'Israël, c'est toujours pareil. Dans chaque période, à Purim, c'était pareil. Quand est-ce qu'ils ont eu la Géoula, ils ont été tout ça, c'était quand Aman il devait tuer tous les Juifs, et c'était déjà envoyé, la lettre a été envoyée, il devait tuer tous les Juifs. Et à ce moment-là, ils ont commencé à prier les Juifs, ils ont commencé à mettre les yeux vers Hashem Yitbarach, et alors ils ont eu la Géoula, ils ont parti reconstruire le Beth Amikdash et tout. Alors que tout s'est transformé, tout s'est renversé à l'envers. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter Behemet, qu'on prie sur quelque chose, de ne pas se désespérer, Bezrat Hashem Yitbarach. Et ça, c'est l'essentiel de la prière, que la personne ne se désespère pas, elle sait que Bezrat Hashem Yitbarach, elle sait que Hashem il peut tout faire. Et en une seconde, Hashem il peut faire. Si maintenant je vois que tout est à l'envers, moi je continue à avoir la foi, Hashem Yitbarach. Et Dafka, grâce à ça, on va pouvoir avoir notre Yeshua et la Geoula. Tout dépend de ça. Tout dépend de ça, qu'on puisse renforcer dans la prière et dans la foi et dans les miracles, de savoir, de croire dans les miracles, d'abord de se rappeler des miracles qu'on a vécu. Voir les miracles, savoir qu'on a vu des miracles, Baruch Hashem. Dans tous les temps, le peuple d'Israël a eu des miracles. Et là, on voit que Bémet, cette paracha-là aussi, comment Avraham, Avinu et Sarah, ils ont attendu jusqu'à l'âge de 100 ans, et qu'il n'y a plus aucune possibilité, d'après les lois de la nature, c'est plus possible. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il les a aidés, il les a sauvés, il leur a donné un enfant, que c'est tout le peuple d'Israël. Cet enfant-là, c'est tout le peuple d'Israël. Sans ça, il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël. Sans cet enfant-là, c'est-à-dire que tout dépendait de maintenant d'un rien. D'un rien, tout dépendait d'un rien. C'est-à-dire que si cet enfant ne serait pas venu, il n'y aurait pas eu tout le peuple d'Israël. Bezrat Hashem Yitbarach, Hashem Yizakeh Otanu Lamin Bemuna Shlema. À la fin, là, il dit que Behemet, il dit voilà, il dit comme ça. Pour me voir, l'écouter à la chôte. Et qui carvoute la tzadik kaimet vikiou metzotav karaoui et nak du chater Israël mamash. Là, il dit pour ça, c'est pour se renforcer ceux qui habitent pas en Eretz Israël et qui veulent mamash se renforcer dans la foi et tout ça. Alors, il dit que l'attachement au tzadik kaimet.
Et l'accomplissement de ces conseils, c'est marqué comme ça dans l'écouté à la chot, c'est tfila, à la chot tfila, à la chagimel, la troisième, qu'en en accomplissant les conseils du tzadik, en s'attachant au tzadik à Emet, ça, ça s'appelle la kdusha de Eretz Israël Mamash. Ça s'appelle Mamash, la kdusha de Eretz Israël, et on va pouvoir mériter la foi et la emuna et les nissim, et tout ça grâce à l'attachement au tzadik à Emet, même de partout dans le monde. Bezrat Hashem Yitbarach, Hashem Yizakeh Otanu, Kol Tuv.